Surprendre-ci, c'est une histoire de 5-6 ans, quoi. C'est-à-dire, dès qu'on a commencé avec Oli, très très vite on s'est entendu, très très vite on s'est vraiment super bien entendu très vite. Moi, j'étais pas très poulet en plus, parce que poulet c'est un état d'esprit, donc toujours faire gaffe quand même. C'est un état d'esprit de la police. Donc, on ne peut pas non plus tout mélanger. La police, c'est la police. Donc, aujourd'hui, je peux en parler, mais je dirais, je connais 80% de la police nationale, donc bien non. C'est vrai que ce n'est pas un manque de respect, hein, c'est un état d'esprit. Et voilà. Donc, et puis, j'ai appris à connaître Olive. Et voilà, on est devenus super potes. Et en même temps, il a vu mes valeurs, j'ai vu les siennes. Et puis ouais, ça a commencé sur d'abord sur un court métrage qu'on a fait, parce qu'on a d'abord tapé deux courts métrages. Après, on a fait Gangster, premier film avec Anconina et avec Anne Parillo. Le film s'est bien passé, nanani nanana, et puis là, il a fait, comme on dit, son film, parce que 36 Quai des Orfèvres, c'est un truc qui lui bougeait la tête depuis des années. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que, en fin de compte, 36 Quai des Orfèvres, c'est pour la mort d'un flic. C'est pour la mort d'un flic qu'on a fait, nous, sur un moulin. C'est pratiquement le même système. Bon, voilà, on braquait des McDo dans 36, on rigolait plus, quoi. Mais voilà, c'était ce genre d'équipe, c'était cette même course poursuite, ce truc, ce machin, c'est drôle, c'était marrant. C'est un mec avec qui ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Alors, c'est pas un ami social. C'est-à-dire, c'est pas un mec qui vient à la maison, je viens pas chez lui, on mange pas ensemble, on sort pas ensemble, on boit pas ensemble. On est les meilleurs potes du monde sur un film. C'est marrant, hein. Et entre deux... On se voit jamais. On s'appelle, on fait les cons, on s'insulte, on s'envoie un SMS à la con avec une photo. Mais jamais on mange ensemble, jamais on se voit. Pas de sortie, rien, c'est marrant. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû, parce qu'il donne des rôles avec qui il bouffe, cet enculé. Hein? Du coup, je dis, ça fait 20 ans que c'est dur. Du coup, ça fait 20 ans que c'est dur. Oui, mais c'est mieux, parce que les mecs bouffent souvent ensemble, ils font la fête ensemble, puis au bout de 10 mois, ils se séparent, tu vois. Donc, ils s'engueulent, ou j'en sais rien, tu vois. Alors, moi, avec Olivier, c'est peinard, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il a une fidélité sans faille, quoi. Le mec m'a toujours appelé pour quoi que ce soit. C'était le plus fidèle et le plus béton, quoi. Ouais, Olivier, ce qui me marque le plus, c'est que j'ai eu un accident sur le plateau. Je me suis pris un impact de balle. Donc, c'est des espèces de plaques, des plateformes avec des explosifs qu'on met dans les portes pour faire croire qu'il y a un trou de balle. Donc, forcément, il y a un projectile qui part. Donc, une puchette comme ça, explosif qui part avec une plaque de ferraille. Et je l'ai pris sur le zizi. Point de suture et tout, la totale. Ah ouais, oulala, oulala. Bon, j'ai pu avoir des enfants, heureusement. Mais sur 36, ouais. Et comme on n'avait pas le temps, c'était la scène de fusillade qu'on faisait à Saint-Ouen. Et j'étais au médecin, puis je suis revenu tourner. Du sang de partout, c'était un truc de fou. J'avais mis des couches de bébés qui saignaient. Enfin, c'était un truc de dingue. Surtout sur la scène d'excitation quand j'étais sur notre pauvre Daniel Duval, qui est décédé. Là, c'est même plus un comédien. Hommage à Daniel. Ah ouais, c'était un personnage exceptionnel. Donc, donc hôpital, machin, tac, 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 je refais la scène toute la journée, toute la soirée, machin, ça pète, les filipettes, enfin bon. Et puis bon, Olivier, il était choqué, hein, il était super choqué. Puis voilà, c'est la première fois que je voyais un metteur, genre, s'inquiéter vraiment et tout. Voilà, c'est pour ça que c'est devenu mon pote, hein, c'est tout ce qui, ça a marqué. Ouais, mais Olivier est sincère, hein, il a grandi avec le métier, malheureusement... Il ne peut plus être comme il était, hein, comme on dit. Hein. Plus on est puissant, plus il y a des gens qui vous collent au cul. Plus on vous colle au cul, plus vous faites gaffe. Donc c'est vrai que les gens changent. Mais moi, ils ne changent pas, puisque pour moi, c'est toujours le mec que j'ai connu sur le commissaire Moulin. Voilà. Alors il y a sûrement un décalage horaire pour lui et pour les gens qui l'entourent. Parce que moi, je le considère toujours comme ça. Voilà.
Mais il faut que je le considère toujours comme ça, parce que si je le considère autrement, ça ne marchera plus comme avant. Parce qu'il y a ça aussi, moi, avec Olivier, si tu veux. Moi, j'ai vu des équipes se révolutionner pour dire, Olivier, arrêtez de faire les cons, toi et Alain, quoi. Parce que les mecs n'arrivaient pas à tourner. Ouais, parce que les mecs n'arrivent pas à tourner. On n'arrête pas de faire les cons. C'est un plaisir total de tourner avec Olive. Pour moi, c'est une colonie de vacances. C'est honteux à dire, parce que c'est notre travail, on est payé pour ça. Mais je m'éclate, quoi. C'est vraiment le. Voilà, quand je te dis, j'avais envie de faire ce métier, voilà. Quand je fais Le Moine ou quand je fais voilà, mélanger à l'action, tout ça, machin, des rôles comme ça, je suis aux anges, quoi. C'est des trucs, c'est des rêves d'enfants qui se réalisent, quoi.